Et salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le concours, le deuxième concours, donc le lot de consolation. Parce que j'avais fait ça et donc je me suis dit, on va faire plaisir aux abonnés, on va refaire ça parce que j'ai quand même eu énormément d'abonnés en plus. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis passé de 100, 100, je pense 173 à 244, donc c'est vraiment juste énorme. Un grand merci à vous. Donc voilà, on est parti pour le concours. Et voilà. Donc les gagnants, c'est. J'arrive pas à prononcer son nom et un cousin. Désolé à un suppléant, celui qui est suppléant. Mais en fait, j'avais pas voulu mettre de suppléant, mais j'en ai quand même eu. Et donc voilà, la ch'tite fourmi, désolé à toi, mais t'as rien gagné. Et les deux autres ont gagné chacun une fédule Palidula de une fondation. Et donc voilà. Donc j'espère que vous êtes content d'avoir gagné. Maintenant je vais un petit peu vous montrer quelques fourmis. Donc voilà, là c'est les Asius flavus qui vont probablement avoir leur ouvrière dans la semaine. Ça a l'air vraiment d'être bien. Enfin bien parti pour elle quoi. Tout le monde a l'air de bien aller et tout. Et là les Crématogaster, Scutellaris. Donc c'est la fin de saison pour elles. Donc elles vont bientôt aller en diapause. Et donc là, il y a plus trop de couvent, même s'il est toujours présent. C'est quand même une belle colonie. Hein. Elle mange énormément. Je sais pas, elle mange combien, mais genre, elle doit manger facilement, sans problème, une dizaine de vermereux par jour, deux blattes par jour et deux souris par semaine. Sans souci, ça, elle mange tout. C'est vraiment une allure énorme. Voilà, le nid est déjà plein, donc l'année prochaine je vais encore en commander un. Mais je vais pas en commander un cette année parce que ça sert à rien de vous rentrer en diapause. Et là pour finir, les petites Camponotus Forelli. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, je suis content et ciao ciao.